Foot est fait, bonjour. Rudy Blombou, directeur adjoint de cabinet du président Chalus, vient d'être nommé ambassadeur spécial de celui-ci, donc de la région, à l'EECS. Parfaitement bilingue, il était chargé jusqu'à présent, outre ses fonctions de directeur de cabinet adjoint des relations internationales et de la coopération dans le cabinet du président. Un de nos jeunes dont la réussite doit rejaillir sur l'ensemble de la Guadeloupe. Dominique, nous ne referons pas l'erreur de 2003, a dit Dominique Théophile au cours d'une réunion de GUSR en préparation du congrès des élus. Ce congrès n'étant que le début d'une série de réunions au sommet en septembre puis en avril 2020. Ce qu'il faudra surtout vaincre, c'est la peur du changement, car bien qu'ils s'en plaignent souvent, les Guadeloupéens sont attachés à leurs institutions. Or, celles-ci, disons-le, sont arrivées au bout de ce qu'elles pouvaient apporter. C'est aujourd'hui un frein à toute évolution positive à suivre. Philippe, le préfet Philippe Gustin surveille attentivement les débats autour du statut. D'ailleurs, Emmanuel Macron, qui n'est retenu par aucun interdit, n'est pas hostile à un changement. En fait, c'est Jacques Chirac en son temps qui était prêt à donner plus d'autonomie à l'outre-mer dans le cadre de la République française, mais avec de très larges compétences. Ce que traduisait en Guadeloupe Jacques Michaud-Chevry, mais Victorin Lurel était contre. Il l'a emporté, et sur le statut, et un an après la région, bravo. Mais maintenant, Victorin Lurel est prêt à emboîter la patte du changement de statut. Guy Losbard, président de GUSR, est clair. Nous sommes dans une démarche de coproduction. Il ne faut pas avoir de réflexe de peur. Reste que les élus devront se montrer vertueux s'ils veulent convaincre les électeurs, faire les changements qu'il faut en mars, s'ils veulent des élus plus responsables, là où ceux-ci ont montré quelques limites. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, sera en visite officielle prochainement en Guadeloupe. Outre qu'elle entretient de bons rapports avec Ferdi Louisi, président du Parc National, elle s'entend bien avec Harry Chalus, qu'elle connaît bien. Et puis, n'est-elle pas en pré-campagne pour la prochaine présidentielle en 2022? À la semaine prochaine.